Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike, et dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau lieu notable qui s'appelle Camion de Transport Trask. Alors, ce nouveau lieu notable se trouve juste à côté droite de Corail Castle, comme vous le voyez dans le gameplay. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que c'est un camion de Tony Stark, donc un camion de transport. Et il y a un truc très spécial, parce qu'en fait, c'est, on dirait un morceau de terre entouré d'une ligne orange comme ça. Et en fait, je suis sûr que ça va faire partie de l'histoire de la saison 4 de Fortnite. Mais le truc le plus dingue, en fait, c'est que là, dans le gameplay, on le voit le lieu, mais en réalité, c'est uniquement parce que j'ai un skin Marvel. Si maintenant, vous allez avec un autre skin que le skin Marvel à cet endroit-là, vous ne verrez rien. Et c'est ça qui est juste incroyable, en fait. C'est qu'il y a des joueurs qui voient le morceau d'île et il y a d'autres joueurs qui ne le voient pas. Donc, ça voudrait dire que moi, si j'y vais en tant que non-skin Marvel et qu'il y a un type qui va avec un skin Marvel justement à cet endroit-là, est-ce que lui, il sera invisible ou est-ce que je le verrai en fait marcher en apesanteur, comme s'il flottait? Alors moi, ce que je pense, c'est qu'on dirait que ça forme une petite sphère. Donc quand il y a un skin Marvel qui va dans cette sphère, eh ben les autres joueurs qui n'ont pas de skin Marvel ne peuvent pas le voir. Alors ça, c'est ce que je pense. Alors il faudrait quand même essayer. Si quelqu'un a déjà essayé, n'hésitez pas à le dire en commentaire parce que j'ai envie de savoir, tu vois. Mais en tous les cas, c'est un petit truc de ouf parce que là, ça fait 2 jours que Fortnite est sorti. Enfin, Fortnite, saison 4, bien sûr. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a déjà des nouveaux morceaux d'île qui arrivent comme ça dans la map. Il y a déjà des changements dans la map. C'est juste incroyable. Merci Fortnite pour votre activité et votre travail, franchement. Merci. C'est juste énorme. En tous les cas, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce nouveau lieu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.